Découvert au fin fond d'un désert aride, un ancien manuscrit décrit un trésor caché. Un homme est persuadé que ces objets d'or et d'argent ont été dérobés dans les coffres de l'une des plus grandes merveilles du monde antique, le Second Temple de Jérusalem. C'est exactement le genre de trésor que l'on trouve dans les romans d'aventure. Si le texte dit vrai, la fortune attend celui qui fera la découverte de cet amas de richesses prodigieuses. Ce qui est décrit sur le rouleau de cuivre doit être le trésor d'un temple. Mais les avis des experts sur le rouleau de cuivre sont divisés. Certains considèrent que c'est un faux. Est-ce une réalité ou bien est-ce simplement une sorte de conte de fées? L'expert britannique John Allegro est déterminé à lever le voile sur ce mystère. Et pour mener à bien sa quête, il va devoir faire d'immenses sacrifices. Il était seul. Plus personne ne le soutenait. Mais rien ne l'arrêtera. Il était toujours prêt pour l'aventure. Cette aventure va changer sa vie pour toujours. Voici l'histoire de John Allegro, l'homme qui voulut percer le mystère du rouleau de cuivre. L'histoire du rouleau de cuivre commence par une découverte fortuite sur les rivages de la mer Morte. En 1947, ce territoire appartient à la Jordanie. Un jeune berger bédouin découvre une grotte dans la roche alors qu'il cherche une chèvre égarée. Il fait sombre, mais il trouve de grandes jarres qui contiennent des rouleaux de parchemin enveloppés dans un tissu. Il s'agit du premier des fameux manuscrits de la mer Morte qui datent du tout début de notre ère, les plus anciens textes bibliques jamais retrouvés. Leur valeur est inestimable. Les manuscrits de la mer Morte sont des textes écrits en hébreu, en araméen et aussi en grec, datant de l'époque de Jésus. Ils contiennent des versions des livres de la Bible, qui ont 1000 ans de plus que toutes les versions que nous possédions jusque-là. Ils nous ont permis de compléter notre connaissance et de découvrir les racines à la fois du christianisme et du judaïsme. Ils sont d'une importance capitale. Les Bédouins comprennent rapidement la valeur de leur découverte. Et c'est le début d'une véritable chasse pour retrouver d'autres rouleaux. La quantité de manuscrits qui a été trouvée dans ces grottes était énorme. Il y avait environ 87 000 fragments qui constituaient 940 rouleaux différents. À Jérusalem, des experts craignant que les rouleaux ne soient détruits se précipitent pour les acheter. Les Bédouins saisissent cette opportunité et revendent leurs précieux parchemins à des prix exorbitants. Grâce aux manuscrits de la mer Morte, nous avons eu accès à de très nombreux écrits en hébreu et en araméen datant de la période de Jésus. Les fragments des rouleaux offrent un aperçu captivant d'une époque révolue depuis 2000 ans. Mais il faut tout d'abord les traduire. Et de nombreux experts sont sollicités. La coordination de la mission est confiée à une organisation catholique, l'École biblique française. Elle sera dirigée par le doyen des prêtres, le père Roland Devaux. Il fait appel aux plus grands experts de la Bible. Parmi eux se trouve un talentueux étudiant en doctorat du nom de John Allegro, qui étudie à l'Université d'Oxford. Il n'a pas le profil type de l'expert de la Bible, et il connaît la nature humaine dans ce qu'elle a de plus sombre. Allegro a quitté l'école à 16 ans pour rejoindre les rangs de la British Navy, la marine britannique. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il a servi en tant qu'officier. À la fin du conflit, il se plonge dans l'étude de l'histoire et apprend les langues anciennes de la Bible, l'hébreu, l'araméen et le grec.
C'était un étudiant des plus brillants au cours du premier cycle et après son diplôme à l'université de Manchester. Et il a été pris à Oxford pour finir son doctorat. Quand il reçoit l'appel de Roland Devaux, Allegro accepte sans hésiter cette occasion unique d'étudier les manuscrits. Voilà un authentique mystère biblique qui sera l'un des premiers à pouvoir percer. Il était fasciné par l'idée que ces petits bouts de papier très anciens avaient été produits par des hommes qui décrivaient ce en quoi ils croyaient. Il ressentait un lien très personnel avec ces gens ayant vécu il y a 2000 ans, et à ses yeux, ces parchemins prenaient vie. En 1953, il s'envole pour Israël. Ce voyage va changer sa vie. Allegro réalise qu'il va travailler sur l'une des plus importantes découvertes du millénaire. Il est immédiatement intrigué par un des rouleaux en particulier. Contrairement aux autres, il n'est pas fait de papyrus. Le rouleau de cuivre est fabriqué avec un cuivre d'une extrême finesse. L'étrange rouleau de cuivre a été découvert en 1952 dans une grotte située dans une zone du nom de Qumran, sur les rivages de la mer Morte. La grotte s'était effondrée, mais parmi les décombres, le rouleau avait été retrouvé en deux parties. Il comportait sur la partie intérieure des inscriptions dans une langue très ancienne. Le mystère était né. Dans un premier temps, on peut se demander pourquoi est-ce que ce texte a été inscrit sur du cuivre, un cuivre d'une grande pureté. Ce cuivre est presque pur à 100%. La technologie nécessaire à sa fabrication n'était pas très répandue à l'époque. Et on peut donc se demander comment ils ont été capables de le réaliser. Pourtant, si la fabrication du cuivre lui-même semble perfectionnée, les inscriptions sont primitives. On peut dire que les caractères en hébreu sont plutôt mal dessinés. C'est assez difficile à lire. Allegro parvient à déchiffrer quelques mots. Il est sidéré par ce qu'il lit. Il a regardé le rouleau sous toutes les coutures et il a dit « c'est une carte au trésor ». Allegro n'en croit pas ses yeux. Il semblerait qu'il vienne de découvrir la réponse à l'un des plus grands mystères de l'Ancien Monde. En 70 après Jésus-Christ, les Romains mettent à sac Jérusalem et détruisent le second temple. Ce temple, le lieu le plus sacré dans la foi juive, a été construit à l'endroit même où s'élevait jadis le légendaire temple de Salomon. On dit qu'il est rempli de toutes les richesses accumulées au fil des siècles. Il y avait de l'or et de l'argent, il y avait des poteries et d'autres objets. Tout cela appartenait aux grands prêtres qui s'étaient succédés. Les merveilles du temple de Jérusalem devaient avoir une valeur absolument faramineuse. Les Romains pillent et détruisent le temple. On peut encore de nos jours contempler certaines de leurs prises, représentées sur l'arc de Titus à Rome. On voit une immense menorah, un chandelier à 7 branches. Il est en évidence sous l'arc. On voit aussi les trompettes du temple, ainsi que des coffres, remplis évidemment du butin pris par les Romains. Certains racontent que l'or et l'argent ont été utilisés pour financer la construction du Colisée. Mais d'autres pensent que les Romains n'ont pas tout emporté, une partie du trésor ayant été cachée par les prêtres. Est-ce que le parchemin que regarde John Allegro est en réalité une carte vieille de 2000 ans et qui pourrait le conduire à la plus grande découverte de tous les temps? Mais à son grand désarroi, il ne parvient pas à percer le mystère.
Depuis 2000 ans, la corrosion a fait son œuvre sur le cuivre du rouleau et protège un peu plus le secret qu'il contient. Quand il a été découvert, le cuivre était totalement oxydé et donc extrêmement friable. Donc les experts ont rapidement conclu que s'ils essayaient de le dérouler, le rouleau se désintégrerait. Toutes les solutions sont envisagées pour ouvrir le rouleau de cuivre. Certaines suggestions frisaient le ridicule. Par exemple, quelqu'un a proposé de faire une réaction de réduction dans de l'hydrogène qui aurait eu pour effet de dissoudre le rouleau, purement et simplement. Comparée aux autres propositions, cette idée est pourtant l'une des plus sensées. Une autre idée absurde consistait à faire passer le cuivre de l'état oxydé à celui de métal par électrolyse. Scientifiquement, c'est une hérésie. De nombreuses méthodes sont avancées, mais toutes sont rejetées. Il semble que les secrets si prometteurs des rouleaux soient perdus à tout jamais. Mais Allegro refuse de baisser les bras, persuadé qu'il sait comment s'y prendre. Il n'était pas du genre à dire « Ah, si seulement on pouvait l'ouvrir », mais plutôt « Bon, comment est-ce qu'on l'ouvre? Qu'est-ce qu'on attend ?» Allegro est professeur à l'Université de Manchester, qui abrite l'un des meilleurs départements d'ingénierie du monde. Il est convaincu que ce défi est une occasion en or pour la faculté. Mais la réponse le surprend. Le directeur du département d'Allegro était très réticent à l'idée d'engager la réputation de l'Université de Manchester. Il craignait qu'il se produise un désastre et que le rouleau soit détruit par accident. Et conduit par sa propre université, il se tourne vers l'Institut de technologie de Manchester. Le professeur Baker, à la tête du département, accueille l'idée avec enthousiasme. Le professeur H. Wright Baker était l'un des meilleurs ingénieurs en mécanique d'Angleterre et probablement même du monde entier. Il a eu l'idée d'appliquer une méthode inédite pour le traitement des métaux extrêmement corrodés. Baker a l'intention d'enrober le rouleau d'une résine d'époxy afin d'arrêter le processus de désintégration. Ensuite, il compte découper la couche supérieure du métal dans le sens de la longueur afin de prélever les lamelles une à une. Il avait une petite scie circulaire qui coupait sur un seul millimètre de profondeur, en ligne droite. Et après chaque découpe, il tournera le rouleau sur son axe pour isoler la lamelle suivante. Il fallait bien sûr couper très droit, et là où il n'y avait pas d'inscription. Son travail commencera dans le plus grand secret. Baker est si pétrifié à l'idée de faire la première découpe et de détruire le précieux rouleau qu'il décide de commencer sans prévenir Allegro. Il ne voulait absolument aucun témoin au cas où la première découpe tournerait au désastre. À mon avis, il était terrifié à l'idée d'être responsable de la destruction du rouleau de cuivre. Le 1er octobre 1955, il fait la première découpe. Ce travail est terminé en 10 minutes. Et en quelques jours, Baker a découpé toutes les lamelles. En sectionnant le rouleau, un seul caractère en hébreu a été perdu. C'est tout à fait remarquable. Baker a réalisé cette opération mieux que personne au monde. Allegro est le premier homme à lire le texte ancien, depuis près de deux millénaires. C'est la première fois que le rouleau révélait ce qu'il renfermait en son sein depuis près de 2000 ans. C'était exaltant et intriguant.
Il se met aussitôt à le décoder. Déchiffrer le rouleau s'est avéré extrêmement compliqué. Il y avait des mots que personne n'avait jamais vus auparavant. Il découvre un autre mystère. Le texte a été rédigé par plusieurs personnes. Il semblerait que les scribes, car il y avait, je pense, trois voire quatre écritures différentes, ne comprenaient pas forcément tout ce qu'ils écrivaient. Le raisonnement d'Allegro est simple. Si différents scribes ont écrit chacun une petite portion du texte, c'est pour être sûr que personne ne connaisse le secret. En effet, aucun d'entre eux ne détient toutes les indications permettant de retrouver le trésor. Apparemment, les scribes recopiaient ce qui était écrit sur des rouleaux en parchemin. On leur avait demandé de graver le texte sur des feuilles de métal sans qu'ils ne sachent ce qu'il signifiait. En décodant les inscriptions, Allegro identifie les noms de plusieurs endroits situés en Judée. Pourquoi est-il fait mention de ces lieux? Il était convaincu que le rouleau de cuivre faisait référence à la topographie de Qumran, un endroit appelé le Grand Wadi, une fissure dans la roche provoquée par un tremblement de terre connu qui a eu lieu en 31 avant Jésus-Christ. Des marches, des tunnels, tout ça lui rappelait les sites archéologiques de la région de Qumran. Mais surtout, plus Allegro étudie le texte, plus il est certain d'une chose. Toutes les richesses décrites ne peuvent venir que d'un seul endroit. Le trésor décrit sur le rouleau de cuivre devait être le trésor d'un temple. Impossible d'imaginer un autre endroit abritant autant de pièces d'or, de lingots d'argent, de métaux précieux et de pierres précieuses. Allegro pense que les richesses étaient tellement pléthoriques qu'il a fallu dresser un inventaire, inscrit sur une feuille de cuivre assez fine pour être roulé. La gravure sur cuivre n'était pas très répandue durant la période du Second Temple. Et il n'était pas facile de trouver du cuivre assez pur pour réaliser la gravure. La technique de fabrication de rouleaux qui a été utilisée est donc tout à fait unique. Contrairement au papyrus ou au parchemin, le cuivre a été fabriqué pour résister au temps, en attendant au fil des siècles un moment plus propice à la récupération du trésor. Allegro élabore une théorie. Si la légende dit vrai, les prêtres du temple ont réussi à cacher une partie de leurs joyaux. Dans ce cas, il vient probablement de déchiffrer la liste des lieux qui abritent le trésor, éparpillé aux quatre coins de la Judée pour plus de sûreté. Après avoir traduit les tout premiers passages du texte, John est devenu obsédé par cette histoire. Il a compris que le rouleau indiquait très exactement où était caché le trésor. Pour mettre la main dessus, il n'y avait qu'à trouver les lieux de la liste. Le texte est gravé en colonnes. Chaque colonne dresse la liste d'un certain nombre de lieux et indique, pour chaque emplacement, la quantité et le poids en talents des métaux précieux qu'il abrite. Cette unité de masse était utilisée à l'époque de la Grèce antique et jusque sous l'Empire romain. La première colonne annonce « À 30 coudées sous les marches d'une forteresse, se trouve un coffre contenant 17 talents d'or. » Ou encore « Sous le tombeau de la reine, à 12 coudées sous terre, se trouvent 9 talents d'or. » C'est exactement le genre de trésor que l'on s'attendrait à trouver dans les romans d'aventure. Vous avancez de 5 pas sur la gauche, vous creusez 5 mètres et bingo! C'est vraiment la carte au trésor parfaite. Allegro fait parvenir la traduction au père Roland Deveau, responsable de la mission.
En réponse, il espérait un télégramme disant « Merveilleux, fantastique, beau travail. Nous l'annonçons à la presse dès demain. Nous allons parler du trésor. C'est très excitant. » Mais la réponse n'est pas celle qu'il attendait. La réaction de Roland Deveau a été « Ne dites rien. Si c'est un trésor, personne ne doit le savoir. Il faut absolument garder tout ça pour vous. » En réalité, Deveau est convaincu que le trésor décrit par le rouleau de cuivre n'est pas réel. C'est aussi l'avis de son conseiller principal, le père Joseph Milik. Deveau était tout à fait sceptique quant à l'existence du trésor. Et il avait demandé à Joseph Milik d'être l'éditeur officiel des traductions du rouleau de cuivre. La première réaction de Milik a été de penser « Tout cela n'est que fiction. Il ne faut pas prendre cette histoire au sérieux. » Contrairement à Allegro, Deveau et Milik estiment que la masse d'or décrite est tout simplement invraisemblable. Les quantités d'or et d'argent étaient extraordinaires, en particulier les quantités d'argent. L'unité avec laquelle ces quantités sont mesurées est le talent, qui équivaut à environ 35 kg. C'est un poids tout à fait considérable. Au total, il devait y avoir 65 tonnes d'argent et 25 tonnes d'or. Si les poids annoncés sont corrects, alors les volumes décrits dans le rouleau représentent le quart de tout l'or qui existait à cette époque et la totalité de l'argent. C'est insensé. Mais Allegro avance une explication. Il a bien sûr été déconcerté par ses immenses richesses. Et il a émis l'hypothèse que le talent utilisé pour les mesures correspondait en réalité à 1/16 d'un talent de la Bible. Le calcul donne alors un résultat nettement plus raisonnable. Deveau et Milik restent perplexes. Tous les autres manuscrits de la Mer Morte ont été rédigés sur du parchemin. Pourquoi celui-là a-t-il été gravé sur du cuivre? À l'inverse, Allegro affirme que ce détail souligne son caractère unique et renforce sa crédibilité. John Allegro était convaincu que le trésor était réel, en partie parce que le rouleau était en cuivre. Ce n'était pas un vulgaire parchemin ou un papyrus. Pourquoi écrire de telles fantaisies sur ce cuivre si unique? Mais Deveau et Milik restent persuadés qu'il ne s'agit là que d'affabulation. Et le doute qu'ils affichent sape la crédibilité du rouleau de cuivre et du travail de John Allegro. C'était son bébé. Il s'était donné beaucoup de mal pour l'ouvrir. Et maintenant, on le privait de la récompense qu'il estimait mériter après un tel triomphe. Il avait l'impression d'être mis au placard. Il a dû trouver cette situation très désagréable. En dépit de leur réticence, les responsables de l'école biblique acceptent de lui confier le second rouleau. En 1956, il est envoyé dans le laboratoire de Becker pour être découpé. Une fois ouvert, il est traduit par Allegro qui, comme la première fois, transmet sa traduction à Jérusalem. Mais cette fois, Deveau estime qu'il ne mérite même pas qu'on lui réponde. Allegro ne recevra jamais la moindre réponse. Cette fois-ci, la réaction est glaciale. Il a compris que le vent avait tourné et qu'il n'était plus en odeur de sainteté à Jérusalem. Convaincu que le rouleau est factice, Deveau interdit à Allegro de publier le résultat de son travail. Ils estimaient qu'il n'était pas digne de confiance et qu'il n'avait qu'une envie, aller raconter partout ce qu'il avait découvert.
Allegro demande alors à être reçu. Mais la décision du père de Vaux est sans appel. Allegro est ostracisé. Les portes de l'Institut technologique se referment. Baker a reçu l'instruction de ne plus le prendre au sérieux. En conséquence, l'accès au laboratoire lui a été interdit. On l'a menacé de ne pas renouveler son contrat. Il se serait retrouvé sans emploi. Les relations étaient très tendues. Ils ont purement et simplement condamné sa carrière. Sa carrière était compromise, sa santé dégradée, et il allait vraiment très mal d'un point de vue psychologique. On lui avait fait comprendre que son travail n'avait aucun intérêt. Humilié, Allegro reprend son poste à l'Université de Manchester et attend patiemment de pouvoir publier ses travaux sur le rouleau de cuivre de la mer morte. Mais un beau jour de 1959, l'expert principal du père de Vaux, Joseph Milik, publie sa traduction officielle du rouleau. Ils disaient que c'était une liste de richesses fabuleuses, si fabuleuses qu'elles ne pouvaient pas être réelles, point. Allegro savait que ce n'était pas le cas, et il n'en revenait pas que Milik soit si catégorique. Il était très contrarié. Et il n'était pas d'accord avec certaines formulations de la traduction de Milik. Cette publication entérine l'avis de Milik. Le rouleau est officiellement déclaré faux. Allegro est scandalisé. Il avait pourtant joué le jeu jusque-là. Il n'avait rien publié et il avait laissé Milik publier sa version en premier. Il bouillonnait d'impatience. Il s'était donné tant de mal à le déchiffrer. Il avait été patient, il avait attendu. Il avait accumulé une grande frustration. Il ne voulait plus attendre et il a publié son travail. Contre les ordres du père de Vaux, Allegro écrit sa propre version, et le succès est immédiat. Le livre s'est vendu très vite partout dans le monde. Il a réveillé l'imagination du public avec les manuscrits de la mer morte. Allegro ne se contente pas de publier un livre. Il compte organiser une expédition. Il veut partir dans le désert afin de prouver lui-même que le rouleau dit vrai en découvrant le trésor. Il était sûr, d'après son analyse du rouleau, que tout était factuel et n'était pas fictif. Il ne lui manque que des soutiens financiers. Il ne pouvait compter ni sur le soutien de ses collègues à Jérusalem, ni du département des Antiquités de Jordanie, ni de ses collègues à l'Université de Manchester. Il était seul. Allegro élargit ses recherches et tente alors de solliciter le public et la presse. Le Daily Mail, un quotidien britannique, accepte de le suivre et de financer en partie son expédition. Son correspondant vedette, Ralph Izard, est même envoyé en mission pour couvrir l'événement. Désormais, son initiative est suivie par des millions de lecteurs et la pression monte. Allegro doit absolument trouver le trésor. Je suis sûr qu'il n'était pas complètement enchanté de l'implication du Daily Mail. Bien sûr, il devait apprécier l'exposition médiatique que ça lui procurait. Mais il ressentait aussi une certaine pression. Il devait trouver quelque chose d'excitant, car il était sous les feux des projecteurs. La pression monte un peu plus quand le roi Hussein de Jordanie devient le deuxième sponsor de l'expédition et met à sa disposition une grande partie de l'armée jordanienne. Le roi Hussein avait bien saisi toute l'importance des manuscrits de la mer morte. Le roi soutient personnellement Allegro et se rend sur place pour parler à ses troupes. Le roi Hussein lui a apporté le concours de son armée.
des barges de débarquement, des véhicules tout-terrain, des hélicoptères. Tout cela s'est révélé très utile pour acheminer l'approvisionnement nécessaire jusqu'au camp. Allegro embauche une équipe composée de volontaires, enthousiastes et talentueux. Archéologues, architectes, géomètres, techniciens et un caméraman pour documenter les zones décrites dans le rouleau de cuivre. Sous les yeux du monde entier, l'expédition s'avance dans le désert de Jordanie. Première destination d'Allegro, un lieu autrefois appelé Hyrcania, où se trouvent les ruines de Kirbet Mird, dans la vallée d'Achor. Selon lui, cette forteresse était la demeure du roi Hérode de Judée, à l'époque où le rouleau a été fabriqué. Sa traduction indique qu'à 40 coudées sous terre, environ 18 mètres, sous un escalier dans la direction de l'est, se trouve un coffre contenant 17 talents d'or, près de 2 kg. Et effectivement, l'équipe d'Allegro déterre un coffre. Dans la paroi, l'équipe découvre une grotte. Des marches descendant sous terre et conduisant à une chambre forte. Le lieu décrit dans le rouleau n'est donc pas une invention. Il est bien réel. Mais le site a déjà été vandalisé et pillé. Les colonnes de marbre et les mosaïques ont été saccagées. Ici, il y a eu un trésor, ici, une chose est sûre. Il a été emporté. Mais l'équipe n'est pas au bout de ses peines. Alors qu'Allegro et ses collègues reprennent penaud le chemin du campement, la déception laisse place à la terreur. Une puissante tempête s'abat sur le campement. Les tentes sont réduites en lambeaux, les abris s'effondrent et surtout les réserves d'eau sont détruites. Sans cette eau précieuse, leurs chances de survie dans le désert sont minces. Mais par chance, le roi Hussein, l'ami d'Allegro, garde un œil bienveillant sur le bon déroulement de l'expédition. Au petit matin, alors que la tempête s'est calmée, il découvre que l'armée jordanienne est en route avec de l'eau et de l'équipement afin de remettre l'expédition sur pied. Et cette fois, ils ont cloué les tentes au sol un peu plus fermement. Après avoir frôlé le désastre, l'équipe d'Allegro se dirige vers Kirbet Qumran, une ancienne colonie située à un millier de kilomètres des rivages de la mer Morte. Le rouleau de cuivre mentionne une des cachettes du trésor appelée Sekaka. Ce nom signifie peut-être même Qumran. Et de nombreux lieux figurant dans la liste semblent se trouver dans la zone de Qumran. Kirbet Qumran était la forteresse de la secte juive essénienne qui a écrit et caché les manuscrits de la mer Morte dans les grottes de la région. Si les rouleaux ont survécu, peut-être le trésor existe-t-il toujours? D'ailleurs, des pièces d'argent ont été retrouvées seulement quelques années auparavant dans la région.
De nombreux shekels d'argent avaient été découverts. Donc certains pensaient que le rouleau de cuivre décrivait le reste du trésor essénien. Ces trois cruchettes remplies de pièces d'argent sont mentionnées dans le rouleau de cuivre. Donc si les Romains, les Bédouins ou tous ceux qui ont pillé l'endroit sont passés à côté de ces cruchettes, qui sait ce qu'ils ont pu laisser d'autre? L'équipe passe le site au détecteur de métaux. Parfois, un bip fait renaître l'espoir, mais en réalité, les capteurs des machines sont déclenchés par le magnétisme naturel de la roche. La presse du monde entier épie les moindres faits et gestes de l'expédition. Allegro doit trouver quelque chose. Il y avait tellement de journalistes qu'il avait parfois du mal à se frayer un chemin parmi eux en sortant du campement. Il voulait une photo de lui en train de trouver le trésor. La prochaine étape consiste à explorer une grotte dissimulée dans la paroi d'une falaise. Allegro trouve des ossements et des poteries datant du 5e siècle avant notre ère. Mais rien d'autre. La presse devra attendre. Même si les lieux décrits par le rouleau de cuivre sont bien réels, les richesses promises semblent insaisissables. Loin de se laisser abattre, il prend la direction de Jérusalem. Les premières fouilles se concentrent sur le site supposé de la tombe de Zadok, le prêtre du premier temple de Salomon. Allegro n'a eu aucun mal à le localiser en suivant les indications données par le rouleau. Mais une fois encore, la tombe est vide. Son dernier recours se situe à quelques kilomètres, le mont du temple, un endroit sacré pour trois grandes religions. Pour les Juifs, c'est le site du premier temple, aujourd'hui détruit. Pour les musulmans, c'est ici que le prophète est monté au paradis. Et pour les chrétiens, c'est ici que se trouve le tombeau du Christ, le Saint-Sépulcre. En raison de cette accumulation de symboles religieux, toute excavation est interdite sur le mont. Mais Allegro est bien déterminé à tenter sa chance. Il pense que sous le dôme du rocher se trouve un labyrinthe de couloirs et de salles. Le rouleau parle de plus d'une vingtaine de cachettes disséminées aux alentours du temple. Le trésor a peut-être été caché sous le temple avant sa destruction. Allegro tente d'obtenir la permission auprès du bureau des antiquités de Jordanie qui, dans un premier temps, semble disposé à écouter sa requête. Il a rempli des formulaires et encore des formulaires. Et il a attendu. Mais au dernier moment, la décision tombe. C'est un refus. Donc il n'a pas eu la permission d'aller là où il voulait. Il aurait voulu explorer ces chambres dont il soupçonnait l'existence et tout un système de grottes et de tunnels sous le dôme du rocher. Malgré son amitié avec le roi Hussein, l'armée lui interdit l'accès. Les autorités étaient quand même très réticentes à l'idée de laisser quiconque s'approcher du mont du Temple. A fortiori, un amateur comme Allegro. Il n'avait vraiment aucune chance de pouvoir explorer sous le dôme du rocher. En privé, Allegro accuse son ancien ennemi, Roland Devaux. Il n'avait aucune preuve sérieuse. Ce n'était que de la suspicion. Il avait lu quelques articles publiés par ses adversaires qui donnaient l'impression qu'il se réjouissait des mésaventures de l'expédition. Donc il a cru qu'ils avaient agi pour lui mettre des bâtons dans les roues. Allegro est plus frustré que jamais. Il n'a rien trouvé à Kir Betmird. Et il n'a rien trouvé non plus à Jérusalem. Enfin, dans les endroits où il a eu l'autorisation de fouiller.
Mais tout n'est pas désespéré. L'expédition, quoique largement infructueuse, n'est pas un échec complet. Ils n'ont pas trouvé grand-chose de valeur, mais ils ont trouvé assez d'éléments permettant de confirmer la lecture que John avait faite du rouleau de cuivre, notamment toutes les cachettes où il y avait peut-être eu un trésor. Même s'il n'a pas trouvé le trésor, John Allegro a au moins découvert les endroits de la liste du rouleau. C'est donc la preuve qu'il était sur la bonne voie. Peu de temps après, Allegro apprend qu'un bédouin dont il est l'ami a fait une découverte remarquable. Des grottes secrètes. Peut-être abritent-elles le précieux trésor. Il se rend à Manchester pour tenter une nouvelle fois de lever des fonds. Au bout d'un an, il a réuni suffisamment d'argent pour repartir en expédition dans le désert. La nouvelle destination s'appelle la grotte de Noël. Cette zone n'a pas encore été explorée. Les grottes de la région n'avaient pas encore fait l'objet d'une étude approfondie. Et la grotte de Noël, qui se trouve à l'opposé de Qumran par rapport au Wadi, semblait l'endroit tout indiqué pour commencer. Allegro établit son camp sur les rivages sud de la mer Morte. Cette fois, il est accompagné d'un immense groupe d'aventuriers de toutes sortes. Le gros œuvre était l'affaire des autochtones. Mais il avait eu aussi la présence d'esprit de convier de tout jeunes professeurs. Et il est parvenu à mettre à profit leur enthousiasme pour mener à bien sa mission. En plus des archéologues et des géomètres, l'équipe comprend une dizaine d'étudiantes. Il était assez rare que des jeunes femmes prennent part à ce type d'expédition où le confort est absolument inexistant. On vit dans des tentes, il n'y a pas d'eau, sauf celle qui provient des ouèdes, des petits cours d'eau, et bien sûr pas de toilettes. Mais c'était une belle aventure, et elles se sont bien adaptées. Allegro concentre les recherches sur trois lieux particuliers. D'abord, la grotte de Noël, au perché et accessible uniquement par hélicoptère. Ensuite, les ruines d'une base militaire du 1er siècle avant Jésus-Christ, utilisée par les Juifs rebelles qui résistaient aux Romains, à Mazine. Et enfin, Ein Feshka et son réseau de grottes en nid d'abeilles. Une fois de plus, le roi Hussein apporte son concours. Il ordonne à son administration d'accélérer le processus de délivrance des permis d'excavation et offre un soutien aérien à l'expédition. Allegro et son équipe sont en route pour la grotte de Noël. Ils ont réussi à se faufiler à l'intérieur de la grotte. Elle était sombre et remplie de chauves-souris. Mais ils ont continué à avancer. Des lampes à huile romaines, ainsi que des cruches remplies de pièces d'argent, ont déjà été retrouvées dans cette grotte. Peut-être n'a-t-elle pas encore livré tous ses secrets. Mais après plusieurs semaines d'exploration, force est de constater qu'elle est désespérément vide. Tout comme Mazine et les grottes de la région d'Ein Feshka. Le jour de Noël, la tension est à son comble avec la venue au campement du roi Hussein en personne. Le roi s'intéressait personnellement à cette expédition. Et le jour de Noël, il a décidé de leur rendre visite. Est-ce qu'il s'est senti sous pression quand le roi est arrivé en hélicoptère pour saluer tout le monde le jour de Noël? Je dirais bien qu'il était sous pression, c'est normal. Mais Allegro n'a que quelques pièces de l'époque romaine à présenter. Elles sont datées de 70 après Jésus-Christ, quand les Romains ont détruit le Second Temple. C'est une chasse au trésor plutôt ratée. Mais c'est une aventure tout à fait extraordinaire.
Mais Allegro cherche plus que l'aventure. Il a consacré une décennie de sa vie à percer le mystère du rouleau de cuivre. Il a dû supporter la calomnie, sa carrière a été presque ruinée et il a pris d'immenses risques pour retrouver l'endroit où le trésor était caché. En dépit de tous ses sacrifices et à contre-cœur, Allegro décide d'abandonner sa quête sans être parvenu à retrouver le moindre trésor de la liste du rouleau de cuivre. Quand John Allegro meurt en 1988, il est isolé. Personne d'autre ne croit alors que le rouleau de cuivre est authentique. Pourtant, de nos jours, la plupart des experts s'accordent à dire qu'il s'agit bien d'une carte donnant des indications sur l'emplacement d'un trésor. Son travail de traduction est remarquable. Et il avait raison sur le fait que le rouleau de cuivre est un document authentique. Un fait accepté par presque tous les spécialistes. John Allegro a été réhabilité. Mais dans ce cas, où se trouvent les richesses évoquées dans le texte ? Je suppose que les Romains savaient pertinemment qu'il y avait de l'or et de l'argent dans le temple. Ils ont peut-être torturé certains prisonniers et ont mis la main sur une partie du butin. Les Romains ne sont peut-être d'ailleurs pas les seuls à avoir pillé les richesses du temple. Depuis 2000 ans, il ne me paraît pas impossible que des Bédouins qui parcourent la région de long en large aient pu découvrir ce trésor. Mais on ne peut pas le savoir. Cette version est la plus probable. Depuis 2000 ans, nombreux sont ceux qui ont eu l'occasion de prendre leur part après avoir découvert le trésor de manière fortuite. Toutes ces questions restent sans réponse. Pourtant, il existe une autre possibilité. Un court passage du rouleau de cuivre évoque un autre rouleau caché dans un tunnel au nord d'une ville du nom de Colite. Il contient probablement d'autres indications sur l'emplacement des cachettes du trésor du Second Temple. Mais la ville de Colite n'a jamais été découverte. Une lueur d'espoir pour tous ceux qui pensent que le trésor est toujours caché. We'll be right back.